change, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Salut à tous, aujourd'hui dégradé height fade, donc dégradé haut, il sera pas vraiment haut, ce sera plus un mid haut, c'est à dire plus ou moins au milieu, et pas haut comme un dégradé militaire. Donc on a fait notre première étape, on a passé notre tondeuse à l'envers pour créer notre ligne directrice, et je vais venir ensuite dégrossir avec mon trimmer. Aujourd'hui, ce sera une technique un peu différente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer toutes les étapes au-dessus de mon rasoir et ensuite je vais les fondre en partant du bas. Pas comme fait des cultures où ils descendent en fait. Donc là, j'ai pris le sabot 4, levier, ben là je l'ai fermé et je viens dégrossir. Donc, je monte bien tout droit et je suis pas à la forme du. Enfin, j'arrondis pas en haut. Je vais tout droit pour pas suivre. Pour pas rentrer dans la masse du dessus en fait, pour améliorer la jonction future. Donc là je viens passer mon rasoir, je vais m'arrêter un tout petit peu en dessous de la ligne directrice. Donc on part levier ouvert, je vais venir créer ma première ligne, donc bien parallèle à la ligne directrice. Donc la ligne directrice, je rappelle, hein, c'est celle qui va donner la forme de notre dégradé, et après on suit toutes les autres étapes, elles sont parallèles à cette ligne. Sabot 1, levier ouvert, donc le sabot 1 il correspond à 3 mm. Donc là on vient un tout petit peu au dessus, bon là j'ai un peu merdé, j'avais pas filmé, donc j'ai repassé à peu près où j'étais passé pour vous montrer. Et enfin, dernière étape, on prend le sabot 2 de 6 mm et on va venir voilà, créer notre dernière ligne. Donc on voit bien les deux premières lignes, elles sont assez visibles. Et voilà notre troisième ligne qui va aller jusqu'à la jonction. La petite différence, elle commence ici, levier moitié. Et on vient fondre un tout petit peu en dessous, bien en dessous même. Voilà, et là levier fermé. J'essaie de le faire en deux étapes. Personnellement, je préfère avec tout l'écran, mais ça le fait. Sur certaines personnes, il faut passer tout l'écran, sur d'autres, en deux parties, ça se fait. Là, je rouvre un coup parce que j'ai vu qu'il y avait une petite zone d'ombre. Hop, je travaille avec le coin de ma tondeuse pour l'éliminer. Sabot 1,5 mm. On va se mettre levier ouvert et on va venir enlever notre ligne. Donc là, j'ai encore. Ça n'a pas filmé, donc je repasse. Mais en fait, j'ai fait ça. J'ai passé levier ouvert, ensuite levier moitié et enfin levier fermé. Exactement ce que je suis en train de vous refaire. On joue un petit peu avec le levier pour effacer les zones d'ombre. Si on voit que ça part pas, on ferme. Sabot 1,5 de 4,5 mm. Levier 3/4. Et on va venir commencer à effacer la dernière ligne. Sans monter trop haut. On voit qu'il reste toujours une ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre levier complètement fermé et on va venir voir si ça enlève la ligne. Donc là ça enlève un peu mais pas oui, ça enlève un peu mais pas suffisamment. Donc on va prendre les sabots en dessous pour bien effacer la ligne qu'on voit encore un peu.
commence par le 1. Levier à 3 quarts. Ah, ça commence à bien enlever. Ça commence à bien enlever. Il reste pas grand chose. On ferme et on vient bien lever sa tondeuse, travailler avec les coins quand on voit une zone d'ombre. Et on prend le sabot 0,5 pour enfin celui qui fait 1,5 mm. On va venir 3 quarts ou levier complètement ouvert. Et on va venir là, vraiment, c'est la phase de détail. Tout ce qu'on voit, les zones d'ombre, tout ça, on essaie de travailler coin de tondeuse, tout droit. Et on lève bien la tondeuse. Pour pas recréer de ligne. À l'achat de mon premier vrai ciseau, à peu près 180 € livré. Donc c'est la marque Yoi Scissor. Et le ciseau, c'est la gamme Chopper. Très très bon ciseau. J'ai vu sur la chaîne Rum Barber qu'il le conseillait, donc voilà, j'ai pas hésité. Donc je vais commencer à vous mettre des vidéos de transition et de coupe du dessus, parce que je commence à progresser maintenant que je suis en salon. Bon, là à l'époque de la vidéo c'était pas encore ça, mais vous allez en voir de plus en plus. Voilà, on coupe la transition peigne ciseau et le tour est joué. Donc voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous bien sûr si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres contenus. Et je vous laisse, c'était Norman Bate, ciao.